aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à le petit con là, le petit qui m'a aidé, le petit gitan là. Apparemment, il y a un business pour moi. Bon, je vais aller voir après, mais d'abord je vais aller voir mon papa. Gnagnagna. Salut les pingouins, ça va bien? Comment ça, pingouin? Oui, ça va, Gignon? J'ai une cravate. Bah, moi, non, je suis venu regarder un peu ce qui se passe, hein. Ah, y'a pas grand chose, ils sont tous en formation ce soir, les sécurités, les secrétaires là. Et ça va, t'as assez d'argent, c'est tout bon? Ah, je veux un peu d'argent, s'il te plaît. Ok, ça marche, attends, bouge pas, fiston. Regarde-moi cette beauté. Quand elle me voit, elle s'arrête de marcher. Putain, incroyable. Ça se voit qu'elle a envie de sauter sur moi là. Regarde, allez, viens bébé, viens me voir. Allez, viens bébé, voilà, c'est bien mon bébé. Pardon? Coucou toi. Quand tu m'as regardé, t'as arrêté de marcher. Voilà, fiston, je te mets dans la poche là, la t-shirt. Mais moi, je te fais de les faire. Quoi, t'étais déshabillé? J'étais en train de remettre les boutons de ma chemise. Ah, tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'aide? Fiston, arrête tes conneries, arrête tes conneries. Mais chaque jour, regarde-moi. Chaque jour, elle devient de plus en plus belle, putain. Chaque jour, papa, chaque jour. Eh ben, tu verras quand elle sera habillée en habit de mariage, vieille robe de mariage, fiston. Hein. Elle mérite pas. Le mariage, elle mérite là. Pas. T'es sérieux là? Ouais, oui, il a pas de style, il a pas de goût, il met un cravate au-dessus d'un gilet pare-balles. Madame Lacroix, vous voulez pas vous marier avec mon fils, plutôt hein? C'est pas un moment. Hein. Entre les roses, bah, je sais pas, je demande. Hein. Mais je te recouvrerai plein d'argent, plein de billets, plein de choses. Toi et moi, on fera plein de... Tu sais que c'est pas possible, quand même. Si, tout est possible avec moi, tu verras. Tu verras. Tu verras. Bah déjà, madame Lacroix, vous avez dit que vous vouliez inviter mon fils au restaurant avant, c'est pas ce que vous avez dit. Mais là. Non, mais on devait y aller tous les deux, alors... Allez, on y va tout de suite. Allez, on y va. Quoi? Non, je peux pas, j'ai plus mon véhicule. Mais moi j'ai plein de véhicules pour toi. Et en plus, j'ai une nouvelle Lamborghini. Ah ouais? Comment ça, une Lamborghini? Quoi? C'est une bibini que j'ai acheté avec pour mon papa, mais lui, il a cru que j'ai acheté pour lui, ce con. Il est vraiment con, c'est pour moi, j'ai acheté. Ah, c'est pas gentil, putain, que tu dis. Tu me. Bah, non, là, je vais le faire pleurer, Tom. Ah, mon fils qui dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore pour mériter ça? Bah, monsieur Kay, tu veux venir pour faire la bougie? De quoi? Non. On va aller au restaurant là, c'est ça? Non, mais je peux pas, j'ai du travail, Tom. C'est bien. Oui, je sais, pardon, mais. Bah, madame Lacroix, il faut assumer ce que vous dites. Non, c'est pas la théière, s'il te plaît, pas la théière. Je viens d'inventer. Quoi? Attends, je crois que j'ai. Allô? 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 Reviens ici. Allô, la ah oui, ouais. Reviens. Bon, madame Lacroix, s'il faut, je vous donne un peu d'argent, là, si vous n'avez pas d'argent. Mais et puis, vous allez inviter mon fils au restaurant, vous avez promis. Et après, il va me faire des caprices ce soir à la maison. Elle a dit, papa, madame Lacroix, elle m'invite au restaurant. Elle tient même pas ses parents. Il faut pas le décevoir, mon petit fiston, là. Mais après, si t'es occupé, on ira demain. Ouais, on ira demain. Bah, voilà, très bien. Demain, je libère une heure et on ira. Je t'emmènerai. Comment ça, une heure? Non, mais vous savez que mon fils, il mange tranquillement, il mange doucement. Une heure de cours, je crois. Alors, le programme, cinéma, quoi, restaurant, hôtel, le lit, et puis voilà. Quoi? Oui. Oh. Et après, on fait plein de bisous. Je pense que le lit veut dire, voilà, il faut lire une histoire avant qu'il s'endort. Oui, enfin... On va soulever après. Cinéma, restaurant... On commence quelque chose, il faut toujours la finir jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, ça. Mais dis-moi, Tom, t'es sûr que ça va? T'as pas trop chaud, là? Tu te sens bien? Et toi, t'es chaude, bébé? Hein? Quoi? Toi, t'es chaude? Moi, je suis toujours chaud quand il y a ça toi. Ça se dit pas trop, ça. Et faut vous pas vous dire ça, fiston, t'es fou, toi. Mais t'es fou, fiston, faut pas dire ça, après. Je vais faire ressortir. Ça se voit qu'elle me kiffe, papa. Tu vois pas quand elle me voit, elle bave. Ça se voit, les cheveux, ils ont changé de position, là. Ouais, je comprends mieux, là. Oui, moi, c'est mon zizi qui a changé de position. Ah. Voilà. Moi, je sais rien dans quelle direction regarder. Vous pouvez regarder là-bas. Je vais vous montrer une redirection. Aïe. Mais non, parole, tu voulais pas toucher Rose. Rose, ça va? Ça va, Rose? Il y a un tremblement de terre, je sais pas ce qui s'est passé tout d'un coup. Mais tout le monde était à terre, Rose. Ça va bien, Tom, t'as rien. Oui, mais je t'ai sauvé en premier. Ah, oh, t'es adorable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon petit Kate, ça va, mon petit Kate, ça va. Oh putain, il est là. Toi aussi, t'étais là. Bah, j'ai eu un tremblement de terre, je vous dis, il y a des trucs chelous qui se passent là. Vous vous souvenez quelque chose, monsieur Wolf là? Oh là là, putain. Tu devais être un tremblement de terre, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Quand j'étais avec toi. En fait, c'est tout ton corps qui est douce. Bonne journée, monsieur le ça gouverneur. Ça a fait rebondissement sur moi, c'était trop cool. Mais bon, on va y aller, hein. Non, mais madame Lacroix.
Madame Lacroix, mon fils est tout triste, il faut faire quelque chose. Mais ah il a l'air de se porter très bien. Mais non, il est pas très bien. C'est là indéfiniment, monsieur le gouverneur. Non mais regardez, il transpire, là, il transpire un petit peu, là, mon fils. Là. Ça va aller, Tom? Tant que t'es là, tout va bien. Bah, je suis toujours dans la ville. T'en fais pas, je m'en vais pas. Tu dans mon cœur. Toujours. Moi aussi, je t'aime. Non, c'est toi la plus belle. C'est toi la plus sexy. La plus bonne de toute la ville. Je t'aime. J'ai envie de toi, Rose. J'ai envie de toi. Quel bout là. Bon ben moi je vais aller faire un petit tour. Allez hein, papa, merci beaucoup. Ouais hein. Ah ben fils, toi t'inquiète pas, les femmes c'est comme ça, t'inquiète pas, elles partent, elles reviennent. Mais ça se voit qu'elle me kiffe. Ah oui, ça se voit, mais tu sais, rappelle l'explication qu'on a eue la dernière fois. Monsieur Boff était quand en colère contre toi. Hein. C'est pour ça que je pense que comme il était là, ben je pense qu'elle peut rien dire, tu vois. Mais oui. Je pense peut-être le restaurant entre vous deux, il dirait bien, comme ça au moins. T'as son numéro parler. Bien sûr. D'accord, ça s'est bien passé ta journée, fils. T'as fait quoi de beau aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, non, rien, mais hier, j'ai combattu un monstre avec Agent X. Après, j'ai sauvé Agent X. Quoi? T'as après, fait quoi là? J'ai failli la niquer. T'as dit quoi, Agent X? C'est quoi le monstre quoi? T'as fait quoi là? Mais non, papa, je t'ai dit que j'ai regardé du X. Ah. Du X, oui, X, Z. Allez, on y va. Ok, on y va. Attention, piston, hein. Tu sais que... Des fois, j'entends que tu dis des trucs et après, c'est pas vrai. Je vais appeler Rose. Allô? Salut, Rose. Mais Tom, mais comment t'as eu mon numéro? J'ai pris avec papa. Ah d'accord. Tu voulais me demander quelque chose? Ne m'oublie pas pour demain, d'accord? Restaurant. Non, promis. Cinéma, restaurant. Ouais. Après on va aller à l'hôtel. Et t'inquiète pas, je vais mettre des pétales sur le lit et tout. J'ai vu ça dans un film. Les pétales de rose. Pétales de rose, juste pour la plus belle des roses. Mais on peut faire aussi cinéma, restaurant, c'est très très bien. On verra après le restaurant. Mais chez moi. Mais on va chez toi. Ah mais ça me dérange pas aussi. Quoi? Je viens dormir chez toi. Oui, on fait comme ça, Rose. À demain. Quelle heure? Attends, je passe. C'est moi qui passe te prendre. C'est moi qui passe te prendre, bébé. La plus belle. Ok. Quoi? Hein? Ouais, oui. Allô, 1, 2. Voilà, allez, on y va. Attends, papa, attends. C'est mon copain, toi. C'est bien, fiston. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, ça va bien. Bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Ah, bonjour, jeune homme. Ça, vous connaissez mon fils? Ah, ouais. Il peut dormir chez moi, c'est mon copain. Bah oui, tu peux l'inviter à la maison, y'a pas de soucis. Hein. Tu sais, tu peux inviter qui tu veux, fiston. Ah, ouais, y'a pas de maman, y'a pas de papa, y'a pas d'argent, y'a rien. Bah tu dors à la maison, c'est toi, jeune homme. C'est pas fini. C'est bon là, t'as fini là? Oh, il est bon. Ok, bah ce soir tu dors à la maison, comme ça tu pourras prendre une douche, te doucher, manger quelque chose, le frigo est plein. Allons-y. Oui, allez, on y va. Allons-y. Viens, monte avec nous. Ah, c'est ta moto, tu nous suis? Tu nous suis? Ah, ouais, j'ai une moto, mais t'inquiète pas, j'ai une moto, mais je conduis bien, moi, t'inquiète pas, monsieur. D'accord. Ah, y'a pas de maman, y'a pas de papa, y'a pas d'argent, y'a rien. Putain, le pauvre. Ah, mais je pense que tu peux y'a pas de soucis, fils, toi, tu peux l'inviter à la maison, de toute façon, t'as de la place dans ta chambre, comme ça, il peut dormir avec toi, etc. C'est un copain à toi. Enfin, du business avec le petit, là, ça va être drôle. Et comment tu l'as connu, ton copain, fiston, pour savoir? Ben oui, c'est mon copain, c'était un copain d'école, il est gentil. Ah, il est à l'école avec toi? Oui, il m'a aidé à couper le doigt de Cora. De quoi? De quoi? Le doigt de Cora, tu dis quoi, là? De couper le doigt? Non, papa, on est parti au supermarché de Cora, tu sais, Cora, et on a fait nos devoirs là-bas. Oh là là, faut vraiment voir un psychologue, là, c'est pas possible, j'entends des voix, hein. Allez, c'est parti. Voilà. Ben, merci beaucoup, papa. Voilà. C'était gentil de ta part, mais maintenant on va te faire enculer.
Quoi, et tu restes poli avec ton père, là. Mais quoi, j'ai dit, je t'aime et fais des beaux rêves. T'as ouais. dit, vas-y, va te faire reculer, non, t'as non, dit. Non, il a pas dit ça, non, il a pas dit ça. T'as vu? Ouh là là, tu crois que je vais vous laisser les jeunes, hein, faites pas des conneries, hein, je vais aller voir le psychologue, hein. Au revoir, papa. Au revoir les jeunes, faites attention à vous. Oh d'accord, putain, j'en avais marre de parler comme ça, wesh. Pourquoi tu m'as ramené ici? Je t'ai dit que c'était un truc, que j'ai un truc un peu... Voilà, faut qu'on est dans un coin tranquille, là, parce que c'est un truc de ouf que j'ai pas à te proposer, là. Ouais, je sais, t'as dit que t'as un truc à me proposer, mais moi, je veux savoir c'est quoi, mais j'espère que c'est un bon truc, hein. Bon, écoute-moi bien, mon ref, la putain de tarage, j'ai un putain de business avec mon cousin, là. Regarde ce que j'ai dans les mains, regarde. C'est quoi? Regarde. C'est des graines, qu'est-ce que je fais avec les graines? La putain de tara, c'est des graines de weed, c'est du cannabis, zamal. Les fépis, mon frère, les fépis. Tu fumes ça, tu plantes, tu consommes, tu te fais de l'oseille, tu revends après, gros bâtard. Donc t'es en train de me dire que là, je prends ça, je plante, après ça pousse, tu quoi? C'est la beuh, tu vois, tu pousses à rompre. La beuh, la putain de tara, la beuh, beuh. Même ta gueule, maintenant, on dirait un bœuf qui fait beuh. Oh, pardon. Donc, du coup, là, ce que t'as à faire, moi, je te vends plein de graines, tu vois, après, tu fais ce que t'as à faire. Moi, je veux juste faire mon business. Tu plantes, tu cultives, fais un bon champ, et tu vas vendre ça à des gens après, la putain. Tu vas te faire de l'oseille, mon rêve. L'oseille en perpète. Ah, d'accord, intéressant. J'ai jamais touché à des trucs comme ça, mais c'est un peu comme la cocaïne, hein, comme Pablo Escobar. Ouais, mais sauf que ça, c'est de l'herbe. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est plus facile à revendre. Bon, c'est un peu moins fort, mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas tout ça, la cocaïne, là, la drogue, là, tout ça. Pour l'instant, je touche pas à ça, là. Pour l'instant, je fais de l'herbe, d'accord? Après, vas-y, tranquille. Ah, je te donne plein un sachet, d'accord? Après, si t'en veux encore, tu m'appelles, ouais. Je prends un sachet. File-moi 10 000 balles. 10 000, c'est tout? Ah, bah, d'accord, vas-y. Ah, ouais? Ok, alors, vas-y. Voilà les chèques, merci beaucoup. Va te faire voir maintenant, cache-toi. Fais plus de revoir. Mais par contre, fais pas trop le malin, d'accord? Dis-moi d'où ça fait chier. Ouais, mais tranquille, je sais de quoi t'es capable. Tranquille, gros bâtard, ouais. J'en ai rien à cirer de ta tronche, la putain de ta mère. Moi, je te prends 10 minutes, je te retourne en 1000 morceaux. Je nique ta race, gros bâtard. Espèce de tonton, je t'en maman les chiens. Gros tonton, je t'en nénène. Voilà, ferme ta gueule maintenant. Salut, au revoir. Il faut que je plante ça quelque part où mon papa il voit pas ça. Donc ça veut dire que ça, avec ça, je peux avoir de l'argent. Oh, je vais être comme Pablo Escobar. Alors, je vais planter ça où je vais chercher un bon endroit là. Et il m'a pas dit où exactement. Là, ici, il y a la terre. Je vais planter ça ici, ouais. Allez, c'est parti. Je vais planter partout ici. Et après, il faudra laisser pousser. Voilà, tac. Voilà. Je fais un peu partout. Je vais planter là aussi, là. Là, un peu partout. Là. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai tout planté. Maintenant, faut attendre que ça pousse. J'espère que ça va bien se pousser. Après, voilà, je vais pouvoir revendre ça. Et je vais me faire encore un petit peu d'argent. Ça va être un autre business. Allez, je vais voir si mon copain il va mieux. Je vais aller l'aider. Oh non, le pauvre, il est toujours là. Oh là là. Ah. Oh non, viens. Allez, viens, enlève-toi là. Oh putain, c'était. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ref, wesh? Tiens, ben tranquille, hein. Tu sais pas, t'as tombé, t'as glissé. Tu veux venir faire un petit tour avec moi dans la vie? À nous deux? Oh, vas-y, tranquille, vas-y, on y va, wesh. Non, monte avec moi. Plus avec sa moto ici. Monte avec moi. Yahoo! J'ai un copain maintenant, c'est trop cool, hein. Oh, vas-y, tranquille quand même, mon ref. Vas-y, on va où, wesh? On va où, putain de merde? Vous voulez pas faire policier avec moi, toi, un jour? On prend une voiture de police et après on va faire policier, toi et moi. Ben t'es ouf, là, on va avoir des problèmes avec la loi, wesh. Avec la police, avec les coffres, mon ref. Non, mais t'inquiète pas, sur mes amis. Et tu sais, il y a Roche là-bas. Et ben demain, je vais aller au restaurant avec elle. Au cinéma. Ensuite, je vais l'amener à l'hôtel. Je vais mettre des pétales de rose dans le lit. Après, je vais la niquer. Nya, 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 nya. Toi, tu vas pas niquer. Oh, j'ai oublié de te dire, mon ref. Tu sais, la Cora, là, wesh, ta belle-mère, là. En fait, avant de la ramener, là. Je l'avais amenée dans un petit coin avant. Je l'ai niquée avant. Avec mon cousin. Quoi? Ouais, mais voilà, on fait ce qu'avec ce qu'on mange, hein. Tranquille, hein. Tranquille. Monsieur, vous voulez qu'on vous aide à faire la police? Oh non, on fait bien notre travail, t'en fais pas. Regarde, je présente ma copine. Mon copain, il me croyait pas. Regarde, mon copain, il me croyait pas. Bonjour, madame, ça va bien? Bonjour, waouh. Ah, oui, très bien. J'ai pas de maman, j'ai pas de papa, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Attends, j'ai pas fini. Ça va durer 10 heures.
Ah, bah il pleure là, tu vois pas. Tiens, prends ça. Merci beaucoup. Non, y'a pas de... Y'a pas un bijou, y'a pas de maman. Non, gros patin, tu le touches pas, mon vieux. Ah, d'accord, d'accord, non, t'as pas, non. Ça va, calme-toi, c'est bon. C'est bon, voilà, t'as vu, elle est venue avec Roche, au restaurant cinéma, hôtel avec moi, non, t'as vu, tu me croyais pas. Ah, c'est vrai, madame, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, on va aller au restaurant de moi. Et moi. Non, toi, non, allez. Ah si, je veux pas. Au revoir alors. Ah plus tard, attends, mais tu fais attention, hein. Bah oui, je roule. Oui, je roule sur le trottoir, t'inquiète pas, Rose. Allez, je te fais confiance. Moi j'ai vu son cul de plus près. Ah ouais, c'est vrai? Oui, il a un gros cul. Bonjour monsieur. Ouais, ça va les enfants? Et ouais, putain, vous avez une chouette poquette, hein. Bonjour monsieur, vous allez bien? Votre voiture, elle est trop stylée. Bah non, elle est moche, sa voiture, ah, regarde. Oui. Bah non, elle est belle, ma voiture. Oh, ah, dites-moi, vous faites quoi tout seul? J'ai pas vous de maman, parents, j'ai pas de papa, j'ai rien. Oui, t'as rien, on a compris. Maintenant, tu enfermes la putain gueule, mais non, putain. Oh, ah, pardon. On cherche des tupus pour piquer. Ouais, bah, oui. Ouais, bah moi aussi, mais voilà quoi. Avec des enfants, c'est un petit peu moins de chance pour serrer des meufs, c'est pas ce que je veux dire. Bah moi, j'ai beaucoup niqué, moi. J'ai niqué la lieutenant de la police. Je vais tout niquer, t'inquiète pas. Oh putain de sa mère. Faudrait que tu me dises ton secret du coup, hein, parce que... Faut être beau et faut avoir de l'argent. Moi je jette de l'argent, tcha tcha tcha, paf. Et ils viennent après. Ah ouais, comment ça se fait que t'as autant d'argent? Parce que mon papa c'est le président. Ah ouais. Sérieux? Ah ouais. Ah, il peut pas me trouver un travail ton père? Ah putain, ouais, ça serait lourd ça. Bah je vais tout demander. Moi je peux faire tout, hein, brisage de nuque, sucer des os, je peux tout faire. C'est du chaud? Oh, c'est dégueulasse ça, bah. Ah ouais, tu brises des os et tu suces des moelles. C'est le meilleur ça. Tu sais, au pays on fait comme ça, hein. Tu attrapes quelqu'un, tu le casses en deux, puis tu lui suces sa moelle quoi. D'accord monsieur, vous vous appelez comment? Moi c'est Jayden. Et vous c'est comment les enfants? Moi c'est Tom. Ah, moi c'est Andy. J'ai pas de maman, moi, j'ai pas de papa, j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Allez, c'est reparti. Vous avez pas de maman. Toi, t'as un papa. D'accord. Il est en train de pleurer. Hein. Ah, ok. J'ai pas fait de finir. Hein. Oui. Ah non, mais il a pas fini encore. Là. Oh la vache. C'est bon, arrête, c'est bon. Ah, ok, pardon. Alors, attends, je vais te donner un mouchoir parce que là, tiens, prends le mouchoir. Ah, merci. Beaucoup, les mouchoirs que j'ai, c'est les mêmes mouchoirs que j'utilise depuis un mois. Ah, c'est comme tous les papiers cul. Ah oui, tout. Mais t'as pas de famille et t'as pas d'argent non plus, mais pourtant t'es avec un petit copain qui a de la maille quand même, non? Mais c'est normal, je viens de le retrouver dans une déchetterie. Moi, je l'ai ramassé avec moi. Ah oui, une déchetterie. Ah ouais, oh là là. Mais y'a beaucoup de trucs dans les déchetteries. Y'a beaucoup de trucs. Des gens gaspillent. Non, faut pas gaspiller. Mais merci, grâce à eux, je peux vivre. Ils gaspillent, mais moi, je peux vivre grâce à eux. Merci. Beaucoup, ah, il pense à nous. Ça veut dire tu manges ce qu'il y a dans la déchetterie. Oui, allez. Soyez prudents sur la route, hein, parce que les flics, ils vous contrôlent pour tout et n'importe quoi. Vous avez la voix d'un rappeur. Ah oui, sérieux? Vous savez rapper? On va dire que ouais, je vais faire quelques trucs, ouais. Ah ouais, c'est cool. Arrête. Ouais, je suis en train de faire une musique sur moi et je vous paye tout ce que vous voulez. Une musique sur Tom? Oui, Tom Escobar. Ah bah, écoute, ça marche. Vas-y, tu sais quoi? Tom Escobar, ok. Oui. Tu enregistres la musique, la tête de ma mère. Tu enregistres tout, hein. Je sors un album. Allez, merci beaucoup. Après, je te paye 200 000, hein. Allez, merci, au revoir. Tiens, Ok. Ah ouais, 200 000, sa mère. Allez, au revoir, messieurs. Où je t'appelle? Ouais, salut, les petits. Vas-y, ça, c'est une bonne tête de victime, ça, wesh. Bonjour, messieurs. Oh, salut, ça va? Bonjour, les messieurs, vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bonjour, c'est moi. J'ai pas de maman, j'ai pas de papa, j'ai pas d'argent. Ah, j'ai rien. Arrête de pleurer, Andy. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Calmez-vous. Oh là là. Il a deux potins. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a? Il est traumatisé, tranquille. Mais... Et toi, qu'est-ce qu'il t'a, toi? Pas rien du tout, je traîne. T'as monté à l'envers? Bah là, non. Monte à l'envers? Je veux dire, t'es moche. Oui, t'es moche, c'est pas beau, tu sens pas bon, t'es dégueulasse. Mais c'est pas grave, c'est pas la beauté qui compte, c'est l'argent. Mais je pense que t'as l'argent. Non, t'as pas d'argent? Ah, vous avez un. Vous voulez faire une course de moto? Waouh. On fait une course si vous voulez contre ta moto et tout. Oui, vas-y, mais rendez-vous au concessionnaire de moto. Oui, allez, dernier arrivé. Vas-y, nique lui, son gros bâtard là, wesh. Vas-y, nique lui, wesh. Vas-y, qu'est-ce que tu fais, wesh? Vas-y, excellent là, putain. Appuie sur champignon. Wesh, faut aller où là, putain? Vas-y, on y est, prince. Vas-y, tranquille. Allez, putain de merde, tu vas le faire, wesh. C'est parce que j'avais pas de GPS. J'avais pas de GPS. Ouais, non, bien joué. Je me suis trompé de chemin. Bien joué. Bonjour,
Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. J'ai pas de maman, j'ai pas de papa, j'ai rien. Arrête, c'est bon, c'est fini. Pourquoi il pleure? J'ai pas de maman, j'ai pas de papa, j'ai rien, j'ai pas encore mangé, j'ai rien. Un bonbon? Oui. Oh là là, il est vraiment con. Il s'envoie un prof de théâtre, t'étais où? Putain. Wow, putain, mon pote, putain, attends. Ah, putain. Il est fait trop vite, attends. Ah, il a pas mon bonbon, ah. Merci beaucoup, madame, merci beaucoup. Putain, mon pote, t'étais où, putain de merde? Oui, ça va, tranquille. Quelque chose, monsieur? Ouais, moi, je veux toi dans mon lit maintenant. Quoi? Sinon ça va, je vais acheter une moto pour mon copain. Donc sors-moi la plus belle motocross pour lui. Et en plus il est majeur. Mais qui travaille ici? Lui non, lui hein. Il a pas une tête à travailler si, ici lui. Ah bon? Il travaille pas dans un cirque lui? Non. Quand je le regarde, ça me rassure un peu. Je me dis que peut-être ma vie c'est pas de la merde quand je le regarde. Merci beaucoup monsieur, merci beaucoup. C'était méchant ça par contre. Ah pardon. Oui, non, il rigole, hein. Il rigole, monsieur, vous inquiétez pas. D'accord, il rigole. Ouais, y'a pas de souci. C'est qui travaille ici, alors? Bah, y'a moi et ma soeur, du coup. Ouais, je préfère ta soeur. Allez, viens, Andy. Allô, oui. Ma belle, alors, voilà ce que je veux. La plus belle motocross attends, que tu veux. Il va attendre, lui. Mais attends, je me... Oui, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu as, la plus belle motocross? Qu'est-ce qui va pas, Alessa? T'es stressée? Pourquoi t'es blessée? Non, j'ai Alessa, qu'est-ce qui va j'ai pas? J'ai eu un petit accident de voiture. Ça, t'es pas protégée à ce que je vois, Alessa? Hein? On te protège pas. Elle va m'entendre, cette connasse. Oh non, pas toi, je parle pas à toi. Quoi? Non, rien. Pas obligé de m'acheter une moto. Pourquoi tu m'achètes une moto tout d'un coup comme ça, là? Moi, je suis pas prêt, hein. T'inquiète pas, tu me fais pitié. Restez pas tout seul dans votre coin, les enfants, hein. Sinon, vos parents, ils sont... Moi, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Pourquoi vous l'avez posé, cette question? Pas plus arrêter maintenant. Putain, on est dans la merde. Si, je veux un bonbon. Ah, voilà, donne-lui un bonbon, ça va. Merci beaucoup. Toi, tu aimes bien quoi, toi? Moi, j'aime bien les motocross qui roulent vite. Voilà, les motocross. Tu veux une CRF, une Honda, une Aprilia? Oui, la plus meilleure. La plus chère, voilà, la plus chère, la plus chère. Mettez-moi la plus chère, je vous dis. La plus chère, c'est pas les motocross. Les plus chères, c'est les sportives. Mais je veux la plus chère des motocross. La plus chère de motocross, oui. Bah, c'est la CRF. J'achète. Ok, super. Je suis le facteur à qui? À lui. Non, je rigole à moi. mais c'est pas chiant, ça. Tu te fous de moi, là. Tiens. Mais change le prix, mais 100 000, alors. Une CRF, mais bien sûr, ça vaut pas le coup. C'est moi. 100 000. C'est trop bon marché, là. Y'a pas de valeur, après. Bah tiens, voilà. Ouais, je vous laisse. Voilà, les clés sont pour qui, toi. Du coup? Pour lui. Oh, c'est moi. Pour avoir un t-shirt Adidas comme son monsieur, là. Un t-shirt Adidas. Ah, j'aime bien. Ça, j'en ai pas, moi. Ah, d'accord. Ah, t'es trop cool, j'aime trop ma moto. Putain, je suis trop content. Attends, je vais mettre sur un roux. Non, doucement, tu vas te faire mal. Non, fais pas ça. Allez, ça, prends soin de toi, d'accord? T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu veux me refaire une facture? Pourquoi je te referais une facture? Au moins, tu es bien. Je veux que tu sois bien, bébé. Mais t'as pas dit que tu allais niquer la rose, là? C'est lui. Vous avez rien entendu? Quoi? 300 000? Mais putain! Tu me fous, quoi? Mais oh putain! Attends, je m'attendais pas à ça, là! Bon, mais d'accord. Voilà. Mais du coup, à quand tu viens au restaurant avec moi? Seul, tête à tête. Allez. Ah, ok, pas de soucis. Demain? Ouais, si tu veux. Demain, t'as interdit que t'allais avec Rose. Mais ta gueule, toi! T'as dit que t'allais avec Rose. T'as dit que tu vas aller au cinéma, hôtel. Après, tu vas l'amener. Mais je peux gérer deux meufs, t'as cru quoi, toi? Fais pas attention à ce que je dis, je suis jaloux. À demain, ma petite chérie. Ariel, la plus belle. Et on va aller voir si ça a poussé maintenant, d'accord? On y va, suis-moi. Vas-y, on y va, putain, merci, wesh, mon ref. Pourquoi tu m'as offert ça? C'est cadeau, t'inquiète pas, viens. Ah, voilà, c'est ça. Oh, putain, la putain de tasse. T'as planté ça au beau milieu de tout le monde, David le regard, wesh. T'es un malade, wesh. Putain, t'es dans la merde, mon ref. T'es dans la merde. Ah, tu en avais remarqué, on croit que c'est une plante normale. La putain de tasse, t'es con.
complètement dans la merde, dans le caca, mon ref, putain. Mais du coup, c'est quoi ça? Mais c'est pas encore bien poussé, tu sais, ça va encore plus pousser, tu vois ce que je veux dire? Mais là, t'es dans la merde, faut vraiment que tu camoufles ça. Mais t'inquiète pas, y'a personne qui va venir ici à part le jardinier. Mais justement, mon ref, le jardinier, il voit ça, frère, t'es dans la merde. Ils vont accuser qui? De toute façon, ah bah t'as un côté, putain, ils vont jamais croire que c'est un gamin de toi, que c'est toi qui a fait ça, tranquille, mon ref, t'as pas de caméra. Tu contrôles toutes les caméras, je peux effacer ce que je veux. Bah vas-y, efface toutes les caméras, mon ref, on foutra la faute sur quelqu'un d'autre. Au pire, mais maintenant croisons les doigts que personne va voir ça, mon ref. Allez, je t'expliquerai. Faut laisser encore pousser, mon ref. Pousse encore et crois-moi, comme ça t'as un peu plus, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Allez, vas-y, arrange-le bien. Et merci encore pour la moto, wesh, je te jure. Je te jure, putain de merde. Je vais montrer ça à mon cousin là. Il va être jaloux, mon ref. Allez, salut. Salut.